Hey yo tout le monde, comment allez-vous? Coucou la team YouTube, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Life is Strange Before the Storm et on va commencer l'épisode 3. Donc c'est l'épisode 3, partie 1. Est-ce que vous êtes prêts? N'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à manger, quelque chose à boire. Installez-vous confortablement avec vos petits petons bien au chaud. C'est parti, l'enfer est vide. Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Alors là, le choc, je vous rappelle qu'on a eu... Il y a encore une meilleure ambiance, j'en suis sûre. Déjà que c'était top avant, mais alors là, ça doit être d'enfer. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Franchement, le père, il est cool, parce que la plupart des parents diraient, bah, ton ami dégage et on parle, quoi, tu vois. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Je veux dire, je suis là. I'm right here. Good. I need you. Ok. Ok, Zélam, pas de soucis. Je suis impatiente de tout savoir. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. En fait, on voit les différentes parties comme ça, ok? She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families. Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Un peu comme Rachel, en fait. Rachel, elle parle tout le temps de partir. Oh, c'est Rachel en bébé. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but... Oui, j'ai l'impression aussi, I was still blind. C'est triste. Descente aux enfers. Génial. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Oh là, ça devient dark, hein. For over a year, I tried to help her.
I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything, even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. C'est bien, il l'admet. C'est très bien. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. But after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. C'est très violent, tout à fait, Zelam, je suis d'accord. Oh, Rachel, elle doit pas être bien du tout. Déjà, elle apprend qu'elle se fait abandonner. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. Pourquoi? It's parce que c'est lui qui s'occupe de la fille. Arrangement. Hein? But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. Bon, ça fait mal à entendre ça, hein, je pense. I think I need to lie down. En même temps, c'est vrai. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi lui envoyait de l'argent à la mère, alors que c'est lui qui prend l'enfant. Normalement, quand il y a séparation, c'est la personne qui donne de l'argent à la personne qui a l'enfant pour s'occuper de l'enfant, vous voyez. Mais là, en fait, il lui donne de l'argent à Sarah. Pourquoi? Elle n'est pas capable de subvenir à ses propres besoins. I can't leave Rachel to deal with this alone. Donc ça veut dire qu'il tient quand même à Sarah, sinon il n'aurait pas fait ça. On voit bien qu'il... Je pense qu'il était vraiment très amoureux de cette femme-là. Et je comprends qu'il ait voulu protéger son enfant. Après... Je sais pas ce que vous en pensez, d'accord? Là, est-ce que quelqu'un qui a fait des erreurs dans la vie, ça arrive, d'accord?
Il y en a même qui ont fait de la prison ou quoi. Est-ce que vous pensez que c'est pas possible de devenir quelqu'un de bien et ensuite, plus tard, de vouloir voir ses enfants? C'est une question très très controversée, je sais. C'est très très problématique. On va parler à James. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. D'accord, donc apparemment elle a fait des choses terribles, selon le père, il nous dit pas quoi, mais bon, c'est peut-être un peu trop personnel. Mais apparemment elle a fait des choses pas bien. Ce que je peux tout à fait comprendre. Hein. C'est vrai qu'en général, quand on est addict comme ça, là c'est des drogues dures qu'elle prend, hein. C'est pas genre la petite fumette, vous voyez. C'est une situation très délicate et nous on se retrouve au milieu de ça comme une con, voilà, c'est magnifique. Alors, je préfère lui demander pour en savoir plus en fait. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. Même That's Frank, who oui. she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. Je pense qu'il est sincère. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Il a vraiment l'air de parler avec le cœur et d'aimer sa fille et de se faire du souci pour elle. Je le sens sincère dans ce qu'il dit. C'est triste. Ils ont essayé de nettoyer. Rachel took that pretty hard. Ouais, bon, en même temps. I should see if she's okay. On va aller voir la maman d'abord, voir ce qu'elle a à dire, parce que, alors elle, pareil, elle est pas bien, ce qui est normal. Oui, et elle va encore voir Frank, Sarah, on est d'accord. Même Frank nous a dit oui, c'est une femme à problème. Il nous a pas dit c'était, il nous a dit. C'est une femme à problème, donc c'est encore toujours une femme à problème, et si elle va le voir, c'est un dealer, je pense que c'est pas pour pique-niquer, vous voyez. Donc, effectivement, je pense pas qu'elle soit sortie de ces trucs-là. Après, je me trompe peut-être, mais... Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Sorry that tonight turned out so... differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But... why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Après, c'est vrai qu'elle a choisi l'argent. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter.
You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Elle est adorable, do you think la mère. Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Elle est adorable. Ok, Rose. Alors, on va aller voir Rachel, du coup. Et oui, tu as raison, Seria. En fait, c'est un sujet... C'est tellement difficile de se positionner. Mais par rapport à Franck, tu as raison, hein, aussi. Oh, je croyais qu'on allait pouvoir visiter tout l'étage, moi. Je suis curieuse. Bon, c'est pas grave. La chambre, déjà, c'est très bien. Je suis contente de monter. C'est trop mignon, sa chambre. Il y a des étoiles et tout, on dirait une chambre de princesse. Et comparé à la chambre de Chloé, on dirait vraiment la chambre de la petite fille parfaite, non? Vous trouvez pas? Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Ah, c'est tout? Hey. Ok, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. On va allumer la veilleuse. This light needs more light. Ah. Cette lumière a besoin de plus de lumière. Mais... Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Rachel's really into stars. C'est beau. I wonder if it's her way of feeling connected. J'aimerais bien en avoir un. Even you, Willy, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Œuvre complète. Oh, waouh, elle a toute la collection. Oh, c'est trop mignon les peluches. Oh, elles sont trop mignonnes. Alors attends, fleurs, on va repêcher. At least she'll have something from tonight. Ça fait de la peine de l'avoir comme ça, j'arrive pas à trouver ce qu'il faut faire. On peut pas lui apporter une peluche. Hard to believe the show was only a few hours ago. Ah, c'est des fleurs qu'elle a reçues. Seems like everything has changed since then. De sa mère et de son père. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Ouais. I think Rachel could use another subject. But which one? Peut-être que ça va la faire rire, je sais pas du tout. Vous en pensez quoi? Éteins les lumières pour pouvoir allumer. That's the one. La plus petite, tu penses? I know something Miss Arcadia doesn't. Bon, ça part de l'incendie, je vous laisse faire une capture d'écran. 3, 2, 1.
C'est fini. Voilà. Je fais d'abord le tour, après je vais aller éteindre la lumière. C'est trop, va se dire. Oh, Chloé. I could get grades like this. Je suis pas d'humeur, Chloé. I just don't want to. Ah ouais, elle a que des A. Oh my god. Boîte de secours. May you always be safe. Sure. Oh, c'est mignon. But from who? C'est quand ils partaient faire de la randonnée ensemble, non? Moi, je trouve ça mignon. Hein? Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Ok. Hein? Oh! Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il faut faire. J'ai compris. Hein, on a un message de maman. Chloé, s'il te plaît, tu me manques. Chloé, je te laisse la porte ouverte si jamais tu n'as pas ta clé. S'il te plaît, rentre à la maison. C'est pas grave si c'est après ton couvre-feu. Franchement, ça me fait trop de la peine. Comment elle peut faire ça à sa mère? Je peux pas, la maman. S'il te plaît. Limite, elle la supplie, la mère. Hein, qu'est-ce qui se passe? C'est un message de groupe. Rachel et Chloé, où vous êtes, les filles? On est à la soirée de la tempête. J'ai déjà envoyé genre 8 textos à Rachel. Salut, je crois qu'on pourra pas venir. Chloé, tu devrais venir. Ouais, Chloé, t'étais géniale, poulette. Et Chloé, t'as assuré ce soir. Brooke, on l'a pas encore vu dans le jeu, c'est dommage. Merci, mais je peux pas. Mais t'étais incroyable. J'avoue même que Monsieur Keaton faisait limite la gueule quand il m'a vu arriver. Sérieux, venez. Emmène Rachel. Désolé les gens. Ouais. En même temps, là, je me vois mal traîner Rachel, tu vois. Sac de voyage. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. The yin and badass yang of Rachel Amber. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so... alone. Thème astral, tiens. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Mais moi je pense que Rachel a besoin quand même de rencontrer sa mère, ce qui est normal parce qu'elle se pose aussi des questions et elle veut sûrement aussi entendre la version de sa mère et aussi se faire elle-même son propre avis sur sa mère. C'est juste un besoin naturel, je pense. Pour moi, c'est normal qu'elle veuille rencontrer sa mère et qu'elle se pose beaucoup de questions, qu'elle soit perturbée et je pense pas qu'on puisse l'en empêcher. Alors, est-ce que vous avez des lumières galaxies? Moi, j'adorerais avoir ça. Mais j'ai peur, en fait, que si j'en achète, parce que vu que ça, celle que je vois, c'est surtout sur Internet, j'ai peur de me faire avoir, en fait, et d'acheter un truc qui rend pas bien. All ready for Rachel's light show. Donc si vous en avez une, better get her attention first. Qui rend super bien, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous l'avez eu. Rachel! J'ai une grosse glace. On dirait une glace. Peut-être. C'est une très bonne question, Seria. Hey. Check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? You remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. C'est vrai. Because we're blinded by what's in front of us.
Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. Merci d'être passé. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Alors peut-être que, je sais pas ce qu'elle va dire après, du coup ça m'inquiète, du coup je vais choisir quel honneur. Parce que si c'est peut-être que tu devrais leur faire confiance, je pense pas que c'est une bonne remarque par exemple. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. C'est vrai que c'est magnifique. En plus, moi, ma couleur préférée, c'est le violet. Alors, je suis les yeux éblouis, là. Par contre, ce que je pense, c'est que... Pour moi, l'amour qu'elle a reçu de cette femme, même si c'était pas sa vraie mère, c'est un vrai amour, vous voyez. Et cette femme la considère vraiment comme sa fille. Donc ça, c'est pas du faux. Voilà. Je pense qu'elle a quand même eu de la chance de tomber sur des gens qui l'ont quand même bien éduquée, déjà de rien, qui sont bien occupés d'elle, et aussi qui l'aiment, parce que c'est pas le cas, de toutes les personnes qui sont abandonnées malheureusement. Donc je comprends tout à fait que là elle soit dégoûtée, elle vient en plus tout juste d'apprendre la nouvelle. Par contre, je pense pas que tout était faux. Voilà, c'est là où je veux en venir. Je pense que elle a une vraie famille. Pour moi, c'est pas une fausse famille ce qu'elle a. Même si c'est pas sa vraie mère, c'est quand même vrai. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. The fact that she's here right now, that she came here for me. I think I need to see her. Ce qui est normal. Is that wrong? Of course not. But it might be tough to track her down. Yeah. That's true. Luckily, I've got my secret weapon. On peut demander à Frank, hein, tout simplement. But what if we can't find her? Huh? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I
can't just ask my parents for a ride. Mais attendez, puisque Sarah veut voir sa fille de toute façon, même elle, la mère, elle est capable de faire le déplacement pour voir sa fille. Donc ça, je pense pas que ce soit un problème. I think I might be able to fix up that truck in the junkyard. Really? I'll give it my best. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? Alors moi, je pense que peu importe ce qu'elles vont se dire, le moment va juste être là et il faudra vivre dans le présent. After my dad died, I didn't know how to keep talking to him. I still don't. But it doesn't matter. All that matters is that he's there. Voilà le moment présent. Your dad? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Elle repositive un petit peu, c'est bien. Elles sont trop mignonnes toutes les deux. Elles font un beau couple. Franchement, vous en pensez quoi? Je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. Je trouve qu'elles vont mieux ensemble, elles deux, que Chloé et Max. Chacun ses avis, hein. Je sais que tout le monde peut pas être d'accord, mais moi, c'est ce que je pense. Oui, voilà. C'est très bien, c'est réacté. Il suffit de faire la part des choses. Oula, oula. Un autre rêve chelou. Ah, en plus... Ah, et puis il y a Victoria. Super. Dad, I think we're stuck. J'ai pas forcément envie que Victoria voit hey, ça. Maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. We never... That wasn't you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? C'est trop chelou, elles sont trop mignonnes. On est d'accord, Chloé. Toi aussi, tu trouves, c'est rien. On est d'accord. Ce rêve est vraiment glauque, ouais. Mais ça m'est déjà arrivé en fait, maintenant que j'y pense, d'être en rêve et d'avoir des spectateurs. Mais moi en fait, des fois, j'interpellais justement les spectateurs pour leur dire: mais what's wrong? Vous trouvez que c'est normal? Don't you see anything? Vous feriez pas ça, vous aussi? Parce qu'en fait, c'est des rêves qui sont quand même à moitié lucides. On va faire genre j'ai trouvé, peut-être que ça, comme ça, il va pas avoir d'accident. Fine, it's. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real.
You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's... Oui, c'est lucide. It's all just... Elle sait. Theater. Elle sait que c'est pas réel. Moi, je serais elle, je le prendrais juste dans mes bras, quoi. You know what William Shakespeare said. De toute façon, c'est pas réel. Autant le prendre dans nos bras, tu vois. Le monde est un théâtre. Je vois pourquoi il dirait de bruit et de fureur. Something about the whole world being a stage. So, might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Comme ça, Rose. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Oh, non, mais rigole, vas-y. Dad. Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. C'est la traînée de sang, non mais franchement, là, ça va loin, ça va trop loin. Boo! Et Victoria qui fait boue. Je pense que Chloé, il faut qu'elle aille obtenir de l'aide auprès de professionnels, parce que ces cauchemars-là, ça va pas du tout. Ah bah oui. On rentre comme ça. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Plus, he likes me. And he owes me one from yesterday. Tu parles à qui, Seria? I can do this. Ah, tu parles à Victoria? C'est vrai, elle a même pas le théâtre. Come on, dude. Pick up. Price, I got your collector's fee. Okay. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Mais non, elle est bête. Never run out of crap, do you? What's the problem? Mais non. Pourquoi elle fait ça? I need to find that woman from yesterday. Sarah. On peut juste lui demander sans lui dire qu'on veut annuler la dette et voir ce qu'il va dire. Frank. What the hell for? Something important. Can you help? Attendez. Sarah, elle est revenue ici pour revoir sa fille. Donc justement, pourquoi ne pas dire à Frank, enfin que Sarah est là pour voir quelqu'un, et nous on sait qui est cette personne, donc on arrange le rendez-vous en fait. Parce que comme ça, il ferait aussi une fleur à Sarah. Je comprends pas pourquoi elle tourne les choses comme ça en fait, Chloé. I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? C'est comme ça, il pourrait demander à Sarah, et Sarah dirait oui, je suis là pour voir quelqu'un. Et si elle veut me voir, ben génial quoi, tu vois. Sweet. Thanks, man. You're real. Je comprends pas. That went well, I guess. Bon. What am I getting myself into? Parce que Sarah, ça l'arrangerait. Vous êtes d'accord avec moi? Rachel. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Wow, la chambre est toujours aussi bien rangée. Oh là, il y aura plein de trucs à lire, c'est vrai. Faut que j'y pense avant d'arrêter le live. Je suis en coulisses, super, j'arrive. Merci d'avoir été là pour moi hier soir. Je me sens beaucoup mieux. Devine quoi? J'embrasse bien? Ok, c'est vrai. Mais aussi, on voit Frank à la décharge dans 2 heures. Je crois qu'il peut nous faire rencontrer Sarah. Oh putain. Ouais, je suis encore à la maison, je me lave et je prends les outils pour le pick-up. On se voit à la décharge, j'y serai, tu es géniale, Chloé. C'est mignon.
Alors... Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. C'est tellement triste. Pourquoi? If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Sorry, Ward. I've got a real ride to fix up now. Have I ever watered that? On va arroser la plante quand même. Non. Better than nothing. Mais non, Chloé. Mais enfin. Chloé. Chloé, dis donc là. Tu n'arroses pas tes plantes comme ça, j'espère. Lol. Figures. Alors ça, c'est quoi? C'est nos résultats à nous? What? Ok, donc elle a commenté une photo, vous êtes prête? Nice to see my work is appreciated. Des fois que vous ayez encore besoin qu'on vous prouve que Blackwell sera mieux sans Chloé Price. Armand dit, alors c'est pour ça que les nanas mettent aussi longtemps aux toilettes? Trevor, respect de ouf. Taylor, personne t'a sonné, Trevor. Steph, cassé. Alyssa, waouh, Chloé, c'était classe. Merci, merci. Rachel really is good at everything she does. Je vous laisse faire une capture d'écran. 3, 2, 1... Thou art an idiot. Capture d'écran numéro 2. 3, 2, 1... C'est par rapport au spectacle. Yeah, go skip. Savoir quand démissionner? Ok. 3, 2, 1... Ok, c'est fini. Photo? So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. La veste de papa. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Ok, bon. Allez, on va à la salle de bain. Is Mom playing music? Bah c'est bien, justement, ça veut dire qu'elle est de bonne humeur, non? Victoria, qu'est-ce qu'elle nous veut, elle, encore? Je l'adore tellement. Ah oui, on en était là avec ce fameux compliment que j'ai adoré. Donc, j'avais raison depuis le départ. Rachel Amber n'est qu'une sale connasse. Ah mais grave, tu te prends pour son petit acolyte maintenant. Ouais, tu as récité tous les vers de la pièce à la perfection. Comment est-ce possible, putain? Tu avais tout manigancé, pas vrai? Oh non, tu as tout deviné. Plein le cul de cette école. Personne n'en avait rien à foutre de moi hier soir. Il y en avait que pour Rachel, Rachel, Rachel. Ah ouais, quand tout le monde réalise d'un coup que t'es quelqu'un d'horrible, c'est bien ça le pire. Va te faire foutre, Chloé. Ok. Mais... Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest I'll ever get? Either way, we're fixing that truck from the junkyard. Alors, j'en veux... Ah, bon, tant pis. Is that... David's towel? Where the hell is mine? C'est fini, là. On est... Okay. My towel's probably in here somewhere. I should just... Gross. Pourquoi c'est gros? Pommade tenue virile? Pommade tenue extra forte pour les cheveux. Viril, hein, on précise. Oui. I truly hate seeing so much of David's shit around here. Lots of washcloths. No towel. Ok, t'inquiète pas, on va trouver. Elle est trop awesome bien, pirate elle est towel. Bon, la maman là, c'est bien. Dis donc, elle a repris goût à la vie. Mais attends, Chloé, tu laisses le truc par terre. Non mais. Chloé. Score. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but
We never got around to it. C'est pas super sympa de lui mettre ses affaires dans une bassine quand même, mais bon. Ready for the best shower of my life. Après tout ce que Chloé a fait. Hot water, don't let me down. Ok. On va prendre la douche. Vous êtes prêts? Pourvu que David ne rentre pas dans la salle de bain à ce moment-là, Chloé va crier. J'aurais peur, moi j'aurais fermé la porte et tout. C'est bizarre, derrière ses cheveux, sous ses cheveux, elle a une marque. Vous avez vu? Dommage. Dommage quoi, Seria? Sa coloration. Ah, c'est juste une mèche. Ah, je m'attendais à tous les cheveux, moi. Mais ça lui va bien, vous en pensez quoi? Il faut attendre pour qu'elle ait les cheveux bleus. I need new clothes. Elle a quand même pas volé les affaires de David. Vous avez l'affaire de sa maman. Ah ben voilà, les affaires de son papa, c'est parfait. Chloé est trop classe comme ça, je trouve. C'est vrai, je suis d'accord. What do I feel like wearing on this crazy ass day? Alors, soit tête de mort, dragon. Oh! Ok, bah dragon, hein. Ça va être badass. On y va. Oh ouais, non mais elle a trop la classe. Ça lui va trop bien, vous en pensez quoi? Avec les colliers et tout. Elle a le style. Elle a trop le style, Chloé. Bah quittez, moi je le vois comme ça, elle est bien. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Alors, eh ben on peut pas la prendre la veste. Dad's favorite jacket. Mince. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Mais même sa veste, moi je la veux, hein. Chloé, tu me donnes ta veste. Je la veux dans la vraie vie, quoi. Elle est trop bien. C'est trop classe. Ok, c'est le moment de descendre en douche. Est-ce qu'on peut fouiller un petit peu d'abord, voir s'il y a des trucs reçus? No way. Mom actually sold her ring for $300. Ouch. Ouch. Cause nothing screams compensating for something like a bright yellow sports car. Ok, qu'est-ce qu'elle va taguer? Sports cars are really good for... Comme ça, on va laisser un petit message qu'on est passé. Lots of flames. Bon, ben voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Carte de la fête des mères. I remember this. Mom loved it. Oh. Wait. Is today Mother's Day? Shit. Oh, non. On a débloqué un dialogue. Bah oui, il faudra lui souhaiter bonne fête quand même, la pauvre. Shit. Today. David really is moving in. Bah oui. Chloé, enfin, il est temps que tu t'en rendes compte. Tiroir. J'avais peur, hein, vous vous souvenez de la dernière fois, attention. Ouais, allez, ferme le tiroir. Chloé, ferme le tiroir, merci. Voilà, c'est bien. Au moins, ils n'auront pas d'enfants. Ils se protègent. Et ici? I really hate that Mom keeps hiding this photo.
moins elle la garde, c'est déjà bien, ok? I wonder who gave this to Mom. Ne plus se faire marcher sur les pieds, comment maîtriser votre ado ingérable? Lol. Mais non, Chloé, elle est gérable. On s'en va par la fenêtre? Non? Ok. Ok, vous êtes prêts? Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Merci beaucoup d'être venu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas aussi. Pareil, ça peut être des informations, des choses que moi je n'ai peut-être pas vues ou je n'ai peut-être pas compris aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager, ça pourra me servir à moi, mais aussi à d'autres personnes de ma communauté. Du coup, ça me fera plaisir. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si jamais vous voulez soutenir mon travail, soutenir ce que je fais. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.